Bonjour, mon invité aujourd'hui est Cécile Coudriou. Vous êtes présidente d'Amnesty International France, également universitaire, professeure de communication à Paris 13, une très bonne université. Sans bonne Paris Nord maintenant. Je peux en témoigner pour y avoir étudiant et enseignant. Alors, Amnesty International revendique un peu son droit à l'universalité. Il y a un peu une bataille sur l'égalité homme-femme. On parle de droits humains parce que les droits de l'homme, c'était censé être trop masculin. Et en même temps, certains disent « oui, mais droits humains, c'est la traduction anglaise de human rights, c'est pas français ». Alors, comment s'en sortir de ce débat ? S'en sortir en quelques mots, parce que c'est plus autant une polémique que ça l'a été. Je me souviens, c'était pour notre 50e anniversaire, donc il y a tout juste 10 ans, qu'on a vraiment pris une décision ferme de dire dorénavant « droits humains », sauf bien sûr quand nous citons les textes internationaux ou la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne va pas changer le nom, évidemment, historique de ces traités, mais on voulait vraiment faire un geste politique, un geste symbolique en faveur de l'inclusion, tout simplement. Et puis, bon, moi, ça me fait parfois un peu sourire en France, parce qu'il y a cette, bien sûr, référence constante à une autre déclaration, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et donc là, je trouve que l'argument de dire « oui, quand on dit homme, c'est homo, donc bien sûr, c'est tous les êtres humains », eh bien, je pense qu'en France, malheureusement, on a prouvé un peu le contraire. C'est pas Olympe de Gouges qui aurait dit le contraire. Donc, il me semble qu'en disant « droits humains », on marque vraiment le coup que c'est tous les êtres humains. Donc, c'est pas seulement une traduction de « human rights », c'est aussi une prise de conscience qu'en France, eh bien, il y a encore un petit bout de chemin à faire. Et donc, on voulait accompagner cette inclusivité. Donc, c'est plus un choix français qu'un choix de traduction automatique d'une appellation anglo-saxonne. Disons qu'en anglais, c'est une supériorité de la langue anglaise pour ça. Le côté genré est beaucoup moins présent. C'est vrai, quand on dit human rights, bon, après, si on est linguiste, ce que je suis par ailleurs, par ma formation, on peut dire oui, mais droits humains, ça n'a pas de sens, c'est droit de l'être humain. Mais comme par paresse, on préfère un truc plus court. Donc en disant droits humains, je pense que vraiment, on est plus inclusif avant tout. Ce qui est Et vraiment puis c'est maintenant devenu clairement identifié, finalement. Oui, nous ne sommes plus les seuls. Hein. Maintenant, la FIDH, la CNCDH, il y a beaucoup d'organisations qui disent très souvent droits humains, mais qui, elles aussi, bien sûr, continuent de dire droits de l'homme lorsqu'elles font allusion à ces traités internationaux. Donc on est plutôt sur cette ligne-là. Alors vous êtes une ONG extrêmement importante aussi bien en France, 120 000 membres, c'est beaucoup plus que la plupart des partis politiques, 10 millions de membres et de sympathisants au niveau international. Comment vous voyez le rôle des ONG par rapport aux autres structures dans la défense des droits humains ? Alors, je pense qu'une organisation non gouvernementale doit savoir ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Donc nous avons une place à part, c'est-à-dire que cette indépendance, cette impartialité qui nous caractérise, c'est pour ça qu'on est très attaché, bien sûr, à l'indépendance financière. Hein. Tous nos dons proviennent de donateurs et c'est très important, voilà, pas des gouvernements. Donc ça, c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup parce que ça nous permet effectivement d'avoir une liberté de ton. Donc ça, c'est une première chose. Et puis pour moi, une ONG, notamment bien sûr pour la défense des droits humains, c'est vraiment une sorte de vigie. C'est comme un ancrage dans le droit international. Donc bien sûr, nous avons des valeurs, mais nous avons avant tout cet attachement au droit, quelque chose qui reste beaucoup plus objectif, qui peut être une référence au-delà des frontières, au-delà justement de valeurs plus culturelles ou nationales. Et puis surtout, cette vocation à être internationale nous permet aussi d'avoir un statut d'observateur dans des enceintes telles que, bien sûr, les Nations Unies, mais je pense aussi au niveau régional, comme l'Union européenne. Et le fait que, justement, toute notre action soit basée sur notre propre recherche que nous menons en impartialité et en toute indépendance permet d'avoir une sorte de crédibilité accrue, puisqu'il n'y a pas d'enjeu politique, même si les droits humains, c'est politique, évidemment. Et donc, ça nous permet quand même d'avoir ce rôle d'observateur et de littéralement continuer d'écrire le droit international. Moi, c'est l'une des choses qui m'ont attiré beaucoup dans ce mouvement, c'est le fait qu'il y ait cette possibilité d'être à la fois basé sur le droit existant, mais aussi de continuer à écrire le droit. Par exemple, la Convention d'Istanbul, on peut dire qu'Amnesty International a quasiment co-écrit ce texte. Donc ce sont des choses qui sont, à mon avis, essentielles. Et puis aussi d'être basé sur les faits. Parce qu'on est quand même dans un univers, ça ne vous a sûrement pas échappé, de fake news, de propagande, où les faits ont moins d'importance. Pour certains, ils deviennent alternatifs. Enfin, c'est complètement hallucinant. Donc je pense que plus que jamais, le fait d'avoir des ONG qui font leurs recherches, qui établissent des faits,
et qui sont ensuite capables de les transformer en actions de plaidoyer auprès des autorités et de mobilisation, de prise de conscience auprès des citoyens, ça me paraît être un acteur incontournable, même si nous ne sommes pas les seuls, évidemment, et que nous sommes complémentaires avec d'autres choses qui sont aussi importantes, comme bien sûr les politiques extérieures d'État-nation. Parce qu'en fait, une organisation comme Amnesty International, comme d'autres ONG, ce n'est pas seulement du militantisme et du plaidoyer. C'est aussi, vous êtes quelque part un centre de recherche, un centre de documentation. Vous avez une revue mensuelle qui documente. La chronique d'Amnesty International France contribue effectivement à démontrer qu'on a aussi vocation à informer, à éveiller les consciences et à ouvrir d'autres portes, y compris pour nos propres membres d'ailleurs, avec cette chronique. Et puis tous nos rapports, non seulement le fameux rapport annuel auquel nous sommes très attachés, mais aussi les rapports spécifiquement centrés sur un pays et sur une thématique, eh bien, force est de constater qu'ils font quand même référence. Ils irritent parfois, notamment certains dirigeants que l'on critique vertement, ou parfois des politiques que l'on épingle, mais il n'en reste pas moins qu'ils font quand même référence. Et le fait d'être critiqué, d'une certaine façon, c'est presque rassurant, je dirais. La grande force d'Amnesty, c'est que vous n'êtes pas uniquement, vous ne ciblez pas uniquement tel type ou tel type de régime. Non. Il y a beaucoup d'ONG qui vont être occidentales, et donc qui vont uniquement critiquer les régimes non occidentaux. Vous, vous basez sur les faits, et même si un pays occidental, démocratique, commet des choses qui... sans avoir l'ampleur de régimes dictatoriaux autoritaires, mais vous paraît en tous les cas contraire aux droits de l'homme, vous y allez. Donc vous n'avez pas de prérequis idéologique. Au contraire, en fait, nous cherchons le plus possible à nous éloigner de l'idéologie, parce que par définition, elle peut être instrumentalisée. Donc les droits humains, pour certains, ça va être aussi présenté comme une idéologie. On peut dire qu'effectivement, la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'une certaine façon, c'est une vision du monde. Donc je peux comprendre qu'on parle d'idéologie, mais tout de même, ce n'est pas du tout dans la même visée. Et je trouve effectivement important, en toute impartialité, encore une fois, d'avoir le même jugement avec la même aune du droit international, quel que soit le régime. N'allons pas prendre parti en disant la démocratie est la réponse à tout, même si, évidemment, dans les faits, on remarque bien que ce sont quand même des régimes qui vont favoriser la liberté d'expression et le respect des droits humains. Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'il est absolument indispensable de ne pas considérer que ces régimes-là sont exempts de toute critique, qui sont forcément parfaits parce qu'ils se sont déclarés des démocraties. Et c'est valable à l'Occident comme dans d'autres régions du monde. C'est-à-dire que nous allons pouvoir évidemment complètement remettre en question certaines politiques, notamment d'ailleurs, il y a vraiment un avant et après 11 septembre, indéniablement, des démocraties ont basculé dans un manque de respect absolument éhonté des droits humains au nom de la lutte antiterroriste. Donc là, je pense évidemment aux États-Unis, mais pas seulement. Je pense également à des pays comme le nôtre, la France, et en Europe d'une manière générale. Mais je pense aussi à des pays comme l'Inde ou le Brésil, qui sont officiellement des démocraties, bien sûr, mais qui pourtant s'éloignent avec des dérives que certains appelleront populistes, en tout cas on pourra dire démagogiques, et bien en fait sont en train de se détourner de plus en plus des droits humains. Et au corps même de l'Europe, je pense aussi à la Hongrie ou à la Pologne, qui de manière assez assumée, c'est ça qui est très important de souligner. Oui, revendiquée même. Exactement, tout à fait revendiquée. Alors avec cette espèce de mythe de l'homme fort qui est finalement comme un guide pour son peuple. Enfin, il y a vraiment des relents tout à fait inquiétants, je trouve, dans ce type de dérive, qui malheureusement fonctionnent trop souvent. Et donc pour en revenir à votre question, il me semble qu'aujourd'hui, des ONG, d'une part, mais en particulier des ONG qui vont s'attaquer à cette thématique des droits humains en toute impartialité, ont un rôle qui est encore plus important qu'avant pour retrouver un peu des repères dans tout cela, finalement. Est-ce que vous êtes satisfaite de l'écho que vous suivez dans les médias, ou est-ce que vous pensez que parfois les médias privilégient des figures médiatiques ou intellectuelles qui ont moins cette universalité dans la défense des droits de l'homme, et qui a un peu une concurrence des fois entre des gens qui viennent occuper le terrain des droits de l'homme, mais sans réellement s'en occuper de façon universelle. Alors d'une part, ce que je trouve tout à fait frappant, évidemment, c'est le jeu des médias, c'est qu'il y a quand même une capacité d'oubli qui est assez à la fois inévitable et effarante. Donc l'un des premiers slogans historiques d'Amnesty, c'était « lutter contre l'oubli », et ça n'est vraiment pas pour rien. Et à deux titres, c'est-à-dire l'oubli dans le sens où une crise va en chasser une autre. Et donc là, par exemple, avec l'Afghanistan, on va sûrement en parler, nous avons à cœur de faire en sorte que ce soit bien inscrit dans une longue histoire, un long travail pour protéger ce peuple de toutes les exactions qu'il a pu subir et qu'il va subir encore. Donc il y a ce côté oubli dans le temps, mais il y a aussi l'oubli de choses qui ont l'air d'être moins...
comment dirais-je, justement médiatique. Donc souvent, le fait d'avoir des figures et de se concentrer que sur ces figures, je pense par exemple, Edward Snowden ou Julian Assange par exemple, évidemment nous avons à cœur de défendre ces personnes quand elles sont victimes de violations, mais nous avons tout autant à cœur de défendre des personnes dont personne ne parle, qui sont des anonymes et pourtant des êtres extraordinaires de courage. Et donc souvent, notre association se caractérise par ça, de jeter un coup de projecteur vraiment sur des situations ou sur des personnes qui vont en fait, on l'espère en tout cas, provoquer un déclic, une véritable prise de conscience dans la société civile, parce que les médias n'ont pas forcément toujours autant le réflexe de mettre cela en lumière. Mais pour autant, nous sommes totalement dépendants des médias. Dire en toute humilité, moi je me rends bien compte au quotidien que certes nous avons une présence de plus en plus importante dans les médias sociaux. C'est important d'être aussi un peu parfois dans le contrôle de notre propre discours et de ce qu'on veut faire comme priorité. Mais nous avons aussi bien sûr vocation à être le plus présent possible dans les médias et tous les médias. C'est-à-dire que je ne trie pas. Bon, parfois certaines émissions sont moins propices que d'autres au débat. C'est plus de la polémique. Mais pour nous, c'est important d'être vraiment au plus près de la population. Est-ce que vous pensez qu'ils vous invitent à la hauteur de votre travail ? Alors souvent, évidemment, d'abord c'est beaucoup trop rapide. On est quand même dans un monde qui malheureusement a tendance à toujours plus simplifier. Tout est beaucoup plus rapide. Donc je vous remercie d'avoir du temps aujourd'hui, par exemple. C'est vraiment assez rare. Il y a quelques émissions où c'est encore le cas, hein, dans lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à aller. Et puis il y a un autre prisme qui est celui aussi du franco-français. C'est-à-dire que j'ai pu observer quand j'étais interviewée, par exemple, sur BFM ou sur d'autres radios, des radios locales et des télévisions, c'est parfois très, très axé sur la France, alors que d'autres, comme justement, bien sûr, RFI, mais France 24, Arte, etc., vont avoir un prisme beaucoup plus international. Donc on est un tout petit peu à contre-courant, parce que nous, au contraire, ce qui est important pour nous, c'est de mettre beaucoup plus en avant l'international que notre propre pays, même si nous travaillons aussi sur la France, parce qu'il le faut. Mais on apprécie beaucoup d'avoir davantage le temps, de pouvoir être moins binaire que la tendance générale dans ce monde, de pouvoir apporter de la nuance, de la complexité. Donc, comprendre le monde, je vois votre affiche derrière vous, et c'est tout à fait ça, en fait. C'est essayer de montrer que nous avons une voix particulière à porter, d'une part pour donner la voix à ceux qui n'en ont pas toujours, donc des victimes de violations dans des régions du monde, aussi pour donner une voix à un autre discours, par exemple de défense des migrants et des réfugiés, de défense de certaines valeurs qui sont aujourd'hui ridiculisées. On dit droit de l'homisme, ou de dire par exemple défense des droits humains. Ce type de discours extrêmement péjoratif, on doit être présent, et fortement présent pour justement incarner une autre façon de voir le monde. Vous parliez de la situation en Afghanistan. Est-ce que vous pensez que le désir de reconnaissance des talibans peut être un levier pour permettre l'amélioration de la situation des droits humains en Afghanistan? En fait, c'est un peu l'angle que nous avons choisi. Tout d'abord, c'est, comme d'habitude, d'être axé sur les faits. Donc, avant même leur prise de pouvoir et la prise de Kaboul en particulier, nous avions déjà des chercheurs sur le terrain qui avaient pu montrer que, par exemple, des minorités telles que les Hazaras étaient encore victimes d'exactions directement liées à ce conflit permanent entre les autorités de l'époque et les talibans. Avant l'arrivée des talibans au pouvoir. Ouais. Ensuite, nous y sommes retournés. Et d'ailleurs, il y a une recherche qui est sortie, je ne sais plus si c'est hier ou aujourd'hui même, pour montrer également que l'empêchement de l'accès à l'éducation pour les filles est déjà une réalité, malgré les promesses des talibans. Donc les faits et encore les faits. Mais bien sûr, nous voulons avoir un effet de levier. Et donc, c'est toujours le même dilemme, c'est est-ce qu'on doit balayer d'un revers de la main certains interlocuteurs ? Ça me semble pas forcément très productif. Donc ce que nous faisons, c'est d'abord de distinguer, reconnaître, et discuter avec ou d'envoyer des messages. Donc c'est plutôt cette optique-là. Et nous savons en effet qu'il peut y avoir un effet de levier, même s'ils sont malheureusement, il faut bien le reconnaître, limités actuellement. Mais tout de même, on sent bien cette volonté de reconnaissance internationale et aussi le fait que les talibans sont quand même aux abois d'un point de vue purement économique. L'effondrement est quand même, sur le plan économique, une évidence. Donc il faut une forme de reconnaissance pour eux. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est de dire que ça ne doit pas être à n'importe quel prix. C'est-à-dire que le dialogue doit tout le temps s'accompagner d'une insistance pour le respect des droits humains. Nous ne sommes pas naïfs par rapport aux promesses qu'ils ont faites, parce que nous ne connaissons que trop bien des choses dont ils sont capables sur le terrain. Donc, l'important, c'est de maintenir une pression maximale et de demander à toutes les autorités qui leur parlent déjà,
parce que certains le font avec un cynisme non dissimulé, hein, je pense évidemment à la Chine et à la Russie notamment. Et donc il est important pour nous de montrer que, bien sûr qu'il faut continuer d'avoir un discours et un dialogue, mais qu'il faut vraiment qu'il soit ferme et de montrer qu'on ne va pas tolérer de revenir en arrière. Mais vous êtes adepte de la realpolitik. Alors, ce mot-là, realpolitik, n'est pas vraiment le mot que je vais employer. Il est mal connoté, mais alors, en réalité... Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que realpolitik, aujourd'hui, c'est quand même souvent par rapport aux intérêts économiques et pas seulement des intérêts stratégiques. Et nous, bien sûr, nous allons aussi prôner la stratégie, mais jamais lorsqu'elle va être complètement à l'encontre des droits humains. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens d'un rendez-vous à l'Élysée qui était interassociatif, où, bien sûr, il a été question de l'Égypte et aussi de l'Arabie saoudite. Il a été question des ventes d'armes de la France. Bon, typiquement, pour moi, la réelle politique devrait s'arrêter là. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on peut considérer qu'on a des alliés stratégiques plus que d'autres, et que je comprends que l'Égypte, par rapport à d'autres pays complètement... avec l'agenda terroriste, soit un allié préférable. Mais quand même, quand on sait comment, finalement, le terrorisme est aussi nourri de ces répressions permanentes et de cette violation constante des droits humains, eh bien pour nous, ça doit complètement être intégré dans la politique extérieure d'un pays. Donc pour moi, le mot realpolitik serait effectivement... Non, je ne veux dire pas là, c'est que vous partez des faits et des réalités. On est pragmatique. Pour changer les réalités. Voilà. Contrairement à ce qu'on dit souvent, nous ne sommes pas des idéologues complètement déconnectés de la réalité, des utopistes. Il y a ce côté pragmatique, ce côté volonté farouche d'avoir un effet de levier et de savoir là où on a des alliés ou pas. Mais la réelle politique, pour moi, a souvent voulu dire compromission. Oui. Et donc ça, évidemment, on dit souvent aux États qu'il faut quand même arrêter de tout le temps mettre au second plan les droits humains après les intérêts économiques ou stratégiques, comme c'est le cas avec... Alors, parlons de la Chine et des États-Unis. On voit bien que les États-Unis disent que la grande différence entre eux, c'est le respect des droits de l'homme. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le thème de la querelle entre Chine et États-Unis? Et où et comment vous vous situez par rapport à cela? Donc là aussi, je pense qu'il faut vraiment ne pas être naïf, et je sais très bien que vous n'êtes pas du tout, et que ce discours... alors, je ne sais plus comment s'appelait l'agenda à l'époque de Bush, avec quelque chose avec Freedom. Ben, je crois que c'était Freedom Agenda, d'ailleurs. Mmh. Bon, Biden, évidemment, on ne peut que se féliciter qu'il mette en avant un discours sur les droits humains, mais en même temps, il ne faut jamais être naïf. Il faut toujours être là pour pointer des contradictions et pour voir parfois certains agendas plus ou moins cachés. Donc, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, en toute impartialité, on ne peut que constater que trop souvent, les États-Unis ont un petit peu un agenda, on va dire, à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on ne peut prôner, et c'est valable pour la France et d'autres pays démocratiques, je le répète, mais on ne peut pas prôner le respect des droits humains à l'extérieur quand on n'est pas exemplaire dans son propre pays, que ce soit dans sa situation de politique intérieure ou de politique extérieure. Et pour les États-Unis, malheureusement, dans nos rapports annuels ou dans des rapports sur les États-Unis, depuis des années et des années, nous cessons de pointer ce type de contradiction. Bon, là, typiquement, le départ d'Afghanistan n'a vraiment pas été fameux pour ce qui était de la protection des civils et de la protection des personnes qui avaient pris tellement de risques pour faire avancer la société civile depuis 20 ans. Mais bien sûr, je pense aussi à Guantanamo, je pense à certaines actions véritablement à l'encontre du respect des droits humains, et y compris dans leur propre pays, avec, bon, vous savez très bien, le Patriot Act, par exemple, bon, avec les questions de surveillance, avec ce qu'a pu révéler Edward Snowden, Julian Assange aussi pour les crimes de guerre. Donc je pense que plus un pays parvient à être exemplaire, malgré la réelle politique, on peut essayer d'être le plus possible en accord avec ce qu'on prône à l'extérieur, plus on a justement un effet de levier. C'est vraiment cette exemplarité que nous demandons partout, avec la même exigence. Et pour nous, pour en revenir à votre question sur États-Unis-Chine, évidemment qu'on a vraiment une loupe là-dessus en ce moment pour notre prochaine stratégie mondiale qu'on vient juste d'adopter, parce que nous voyons bien que cette nouvelle guerre, finalement, qui se... C'est même plus qu'à ce profil, hein, qui a bien commencé entre États-Unis et Chine pour une sorte de superpuissance mondiale. Il faut l'avoir avec beaucoup de précautions, parce que la Chine, de toute évidence, a un agenda de façonner autrement le monde. Hein. Ils sont parmi ceux qui, de manière la plus éhontée, la plus assumée, cherchent à remettre en cause le socle même de l'universalisme. Au nom de pseudo-valeurs asiatiques, oubliant que c'était un Chinois, entre autres, qui avait coécrit la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'il l'oublie volontairement. Il y avait aussi un Libanais, par exemple. Bon, ce n'est pas du tout que des Occidentaux qui l'ont écrit. Mais évidemment que pour la Chine, chercher à faire jouer sur ce clivage entre des civilisations, c'est tout à fait
porteur pour eux, pour essayer d'unir une nation chinoise, au mépris d'ailleurs de toutes les différences culturelles, écrasant les Tibétains, les Ouïghours et toutes les minorités musulmanes au passage, avec une cruauté inouïe, mais en espérant flatter une espèce de fibre nationaliste. Et ce sont les mêmes ressorts qu'on voit partout. Hein. On le voit aussi en Russie, on le voit au Brésil, on le voit en Turquie, à une plus petite échelle, parce que c'est un plus petit pays, mais quand même. Et donc, pour nous, il est très important, justement, quand nous prônons ce respect de droit universel, de dire que ça n'est pas une question de valeur occidentale. C'est une question de dignité humaine. Et nous regardons le monde jour après jour, autour de nous, pour voir que, bien évidemment, que ce soit dans les pays arabes, même si les printemps arabes ont eu des fins bien souvent assez tristes, hein, décevantes, mais il n'en reste pas moins que l'élan est le même, que ce soit en Chine pour Tiananmen, les printemps arabes, encore récemment au Liban. Les gens veulent de la dignité et de la liberté ou des libertés, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur culture. Personne n'a envie d'être empêché de s'exprimer, d'être torturé, d'être marié à l'âge de 13 ans, si c'est au Burkina Faso, par exemple. Donc, dire qu'il y a des valeurs culturelles qui sont plus importantes que l'universalisme, nous, franchement, on n'adhère pas du tout à cette théorie. Par rapport à l'universalisme, beaucoup de dirigeants africains se plaignent que la Cour pénale internationale ne juge que les Africains et pas de dirigeants occidentaux. Quelle est la position d'Amnesty là-dessus? Est-ce que vous dites que c'est déjà un premier pas ou... Non, ce n'est pas normal que Tony Blair, George Bush n'aient pas été déférés devant la CPI. En fait, nous disons les deux. Je dirais d'abord, pour rappel rapide, que nous avons énormément œuvré à l'adoption de ce statut de Rome et la création de la Cour pénale internationale. Pour nous, ça a été vraiment un tournant majeur dans la lutte contre l'impunité, qui est l'une de nos luttes historiques, qui est vraiment indispensable. Il faut voir aussi cet instrument comme un instrument qui est perfectible. Nous avons nous-mêmes été alors critiques, oui, mais en étant extrêmement prudents. Puisque parfois, le fait de critiquer un instrument peut être interprété comme vouloir s'en débarrasser. Or, ce n'est pas du tout notre objectif. Et c'est valable pour plein de choses. Hein. L'universalisme dont je parlais à l'instant, si c'est un universalisme qui est une espèce de rouleau compresseur qui devient un prétexte pour empêcher une diversité, évidemment que nous aussi, on va critiquer cela. Mais en tout cas, pour votre question, effectivement, la CPI est absolument indispensable. Il faut se rappeler que ce sont quand même les pays africains qui ont montré un enthousiasme à s'en servir, puisqu'ils savaient très bien que leur propre système judiciaire ne serait pas suffisant. Et c'est quand même une cour qui est là pour, justement, pallier les insuffisances ou le manque de volonté politique, parfois. Mais en tout cas, c'est une garantie pour les victimes de pouvoir avoir enfin un accès à la justice. D'un autre côté, il faudrait vraiment être naïf pour dire que ça a été le seul instrument qui peut suffire à lui seul, je veux dire, pour garantir une impunité à toutes les victimes des crimes les plus graves aujourd'hui. Surtout des grandes déceptions comme finalement le retournement incroyable par rapport à Jean-Pierre Bemba, qui avait été accusé de viol, d'esclavage sexuel, etc., et qui s'est retrouvé acquitté. Bon, c'est incroyable. Le fiasco aussi autour de Laurent Gbagbo. Bon, mais il y a quand même aussi il y a quand même des situations où on se dit que en RDC notamment, où il y a eu des crimes terribles à l'encontre de femmes, d'enfants, enfin des civils qui sont sans défense. Il faut à tout prix qu'il y ait un instrument qui puisse quand même, même si c'est très long, très coûteux et parfois instrumentalisé malheureusement, ça est mieux que rien. Et c'est quelque chose qu'on doit continuer d'encourager à utiliser en toute impartialité. Et donc j'en reviens aussi au virage un peu avec Fatou Bensouda et une inquiétude récente avec son successeur, Karim Khan, parce que nous pensons que Fatou Bensouda avait au moins eu ce mérite de chercher à voir ailleurs qu'en Afrique. Donc avec, bien sûr, la Géorgie, Palestine et donc Afghanistan. Et je parlais donc d'inquiétude. On a commencé à exprimer une petite critique, là aussi, parce que si, effectivement, l'objet aujourd'hui serait de réduire l'enquête sur l'Afghanistan à la question des talibans, alors que pour nous, il était important de viser aussi les États-Unis, eh bien, il y aurait encore un raté. Parce que même si les États-Unis, évidemment, n'ont pas... ils avaient signé, mais se sont retirés, ils n'ont toujours pas ratifié le statut de Rome pour se protéger de ce type d'attaque. On peut quand même enquêter sur ces crimes. Et donc, c'est important pour nous que cette CPI continue d'œuvrer à devenir plus exemplaire, notamment par rapport à l'impartialité.
En février, vont avoir lieu les JO de Pékin et en novembre, la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que vous êtes pour le boycott de ces deux événements sportifs ? Alors, Amnesty International n'appelle pas au boycott. Nous pensons au contraire préférable d'utiliser ces événements sportifs comme une sorte de vitrine, plutôt l'envers du décor, et de mettre en lumière les violations des droits humains, d'en profiter finalement pour que les droits humains soient vraiment à l'agenda et de faire le plus possible pression à ce moment-là, non seulement sur les pays en question, donc ça peut être le Qatar, on l'a fait aussi pour l'Arabie Saoudite, et bien sûr nous ferons pour la Chine, mais nous pensons plus productif finalement de faire d'abord un éveil des consciences, hein, que les personnes qui aiment le sport, eh bien, en profitent pour aussi se renseigner sur ce qui se passe. Mais nous pensons que le boycott, finalement, ça serait d'une certaine façon faire un mélange des genres et que c'est plus intéressant, en fait, de l'utiliser pour mettre en lumière tout ce qui est absolument dommageable du côté des droits humains et de faire en sorte que les autorités prennent conscience du fait que le grand public va avoir davantage les projecteurs. C'est ça, comme un coup de projecteur pour améliorer les choses. C'est exactement un coup de projecteur. Toujours, finalement, une position réaliste, finalement. C'est assez pragmatique, ça aussi. C'est vrai. On arrive presque à l'issue de cet entretien. Dernière question, au Festival international de géographie de Saint-Dié, vous avez mis l'accent sur le viol comme arme de guerre. Mmh. Est-ce que vous pensez que c'est une pratique qui se développe de plus en plus, qui a un peu disparu pendant la guerre froide et qui, de nouveau, devient une sorte de fait En fait, elle n'a pas disparu. Effectivement, on en a pris conscience énormément au moment des Balkans. Et aussi, bien sûr, du génocide du Rwanda. Mais en fait, on se rend compte, en étudiant de près, comme on le fait, la situation, par exemple, en Syrie, et depuis plusieurs années, hein, pas récemment, dans beaucoup de pays, ça a été aussi le cas contre les Rohingyas. Enfin, c'est vraiment une arme de terreur. Alors, soit dans des situations de guerre civile ou de dictature, enfin, c'est le mot qu'on l'emploie pas, mais en tout cas de violation massive des droits humains, donc crimes contre l'humanité, mais aussi de crimes de guerre, parce que c'est quelque chose qui a vraiment pour but de détruire une nation et tout espoir d'avenir. C'est pourquoi, justement, pour en revenir à la CPI, c'est tellement important de pouvoir reconstruire sur cette base de paix et donc de justice une société qui peut se dire que justice a été rendue et que les personnes les plus vulnérables ont pu quand même trouver réparation. Malheureusement, c'est un chemin extrêmement long. Mais pour nous, c'est très important, effectivement, de continuer à lutter contre l'impunité. Et nous aimons beaucoup aussi, bien sûr, le travail de Dr Mukwege. C'est important d'être aussi en appui pour nous avec des associations locales, de chercher aussi à venir en appui à des associations qui ont moins de moyens ou qui sont en danger parfois, pour faire avancer cette cause de la lutte contre l'impunité, bien évidemment. Ouais. Merci Cécile Goudriot, vous êtes présidente d'Amnesty France. Je rappelle que vous lancez une campagne d'adhésion à Amnesty pour grossir encore un peu plus, de 120 000 à beaucoup plus. Et donc je pense que tout est sur le site de votre organisation. Voilà, merci pour cet entretien. Merci beaucoup.